tout le monde, aujourd'hui je vous ai fait un maquillage en rapport avec le topaz. En fait j'ai fait une collaboration avec Caroline, Adrien et Julie et on a décidé de faire sur le thème des pierres précieuses. Alors vu l'actualité en ce moment, moi j'ai voulu faire quelque chose avec des espèces de larmes en cristaux parce que c'est un peu mon humeur du moment. Comme d'habitude j'ai fait mon teint hors caméra et j'ai utilisé le fond de teint et le concealer de chez Tarte. Et je viens faire mon contour avec le Contour Book Volume 1 de chez Lunatic Cosmetics. Je vais le faire un peu plus fort que d'habitude et je vais aussi venir faire un contour du nez, ce que je ne fais pas d'habitude. Et en réalité, ce maquillage, il m'avait beaucoup inspiré quand on avait parlé de la collaboration. Et là, le moment de le faire, j'étais pas du tout inspirée, je savais pas du tout où aller. Tout ce que je savais, c'est que j'allais utiliser la palette Topaz de Huda Beauty, que je n'avais pas du tout acheté non plus pour ce maquillage, mais ça tombe bien que je l'ai acheté. J'ai prévu de recouvrir mon cou avec des paillettes, mais sinon j'aurais aussi fait un contour de mon petit gras du menton. Pour le blush, je vais garder le contour book de chez Lunatic Cosmetics et je vais le faire un peu plus accentué que d'habitude aussi. Pour l'highlight, je vais utiliser la Winter Solstice de chez Huda Beauty, qui est une de mes palettes d'highlight préférées. Et je vais utiliser la teinte Northern Light. Donc j'en mets sur mes zones à illuminer, donc sur les pommettes, sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Et je reviendrai en remettre un petit peu à la fin de la vidéo, mais hors caméra. Et je vais venir faire mes sourcils avec le granit de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai hésité à me cacher les sourcils pour ce maquillage, mais d'une, j'avais la flemme, et de deux, j'ai un bobo sous le sourcil gauche. Ça m'arrive assez souvent depuis que je me suis fait recoudre les trous de piercing de mon arcade, et du coup, bah, j'avais mal, donc voilà. J'ai utilisé de l'anti-cerne de chez Tarte pour faire le contour de mes sourcils. D'habitude, je le fais pas, mais dernièrement, je le fais un petit peu. Donc, pour mes yeux, je vais utiliser la Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Je vais utiliser la teinte beige pour faire un fond. Et ensuite, je vais utiliser la teinte orangée pour l'intérieur de mes yeux, enfin le coin interne. Et je vais utiliser ensuite les autres teintes pour faire un dégradé jusqu'à l'extérieur et faire un gros étiré en finissant par le marron. Et je vais utiliser que les teintes mates, j'ai pas utilisé de teintes irisées de la palette. J'y ai pensé et puis j'avais pas envie et puis je savais pas. Et puis comme je vous ai dit, je savais pas du tout où j'allais dans ce maquillage, donc voilà. Donc je suis vraiment venue étirer ma matière avec des pinceaux propres et au fur et à mesure j'ai rajouté de la matière et je l'étirais toujours avec un pinceau propre. Une fois que j'en ai fini avec les fards à paupières, je suis venue mettre de l'highlight sous mes sourcils et je suis venue fondre un peu le tout ensemble. J'ai aussi mis de l'highlight dans mon coin interne.
Et là, j'ai décidé que je voulais me faire une bascule. Donc, j'ai utilisé le Jumbo Milk de chez NYX et du fard à paupières blanc. Et je suis venue faire ma bascule. Pour l'eyeliner, j'ai utilisé celui de chez Tarte avec un pinceau fin, enfin le plus fin que j'ai entre guillemets, qui n'est pas très très fin, donc il faudrait que j'en trouve un autre. Hors caméra, j'ai mis mon mascara et je suis venue mettre des faux cils. Alors pour les faux cils du bas, j'ai utilisé des House of Lashes individuels. Et pour ceux du haut, j'ai utilisé Nirvana et Belle de Nuit de chez Rouge & Rock que j'ai collé les uns avec les autres. Et j'ai utilisé des gemmes de chez Evol. J'en avais des autres qui faisaient un peu plus topaze mais un peu plus fade. Et je voulais vraiment utiliser ceux-là parce qu'ils sont vraiment très très beaux même s'ils ont beaucoup de reflets. Après, j'ai regardé sur Google et apparemment le topaz a beaucoup beaucoup de reflets, donc voilà. Je vous passe la pose des gemmes qui a mis une heure, mais bon, utiliser de la fossile. Et pour les lèvres, j'ai utilisé Harvest et Cider de chez Black Moon Cosmetics. Et une fois sec, je suis repassée avec l'highlight par-dessus. Pour le coup, j'ai utilisé des pigments de chez MAC Pro en utilisant du FX Plus de chez MAC. Et par-dessus, j'ai mis des paillettes que j'ai achetées chez Grafigro, il me semble. Donc, c'est pas des paillettes cosmétiques, mais j'aimais bien les reflets qu'ils avaient. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner. Et je vous dis à dimanche normalement. Et je vous fais des bisous.